Peace. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 10 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter l'emplacement de l'étoile secrète de la semaine 10. Donc l'étoile secrète se trouve entre un pont couvert, une cascade et le 9ème green. Donc je vais vous montrer l'emplacement exact, donc je vais lancer en solo, c'est parti. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Espagne, donc c'est possible que la qualité du micro change. Mais bon voilà, je rentre le 20, donc voilà, c'était pour vous dire que j'étais en Espagne et que j'avais pris ma play et tout pour faire les défis. Donc voilà, grosse dédicace aussi à Audrey Marley qui les a fait la semaine passée parce que je n'ai pas pu les faire. Donc cette semaine-ci, bah, j'ai pu les faire parce que je me suis rendu bah, tout simplement disponible. Alors, les indices, c'était tout simplement une cascade. Donc la cascade, elle se trouve ici. Le pont, il se trouve là. Et le terrain de golf, le 9ème terrain de golf, il se trouve juste ici. Donc c'est entre les trois. Hein, donc on fait un petit triangle, ce sera plus ou moins ici. C'est toujours sur une petite tâche de toute façon, donc je pense vraiment que c'est ici. Entre Lazy Links et Risky Ribs. Donc on va y aller tout simplement. Alors je disais que je faisais une grosse dédicace à Audrey parce qu'elle m'a fait les défis de la semaine passée en vidéo. Parce que hier, ben, la semaine passée je voulais les faire jeudi, mais j'étais pas disponible. Enfin j'étais disponible jeudi, mais évidemment Fortnite les a fait le vendredi. Donc j'étais pas disponible le vendredi. Donc voilà tout simplement. Alors moi normalement je reviens le 20. Par contre il me faudra au moins un ou deux jours de repos pour me remettre de mes vacances hein, tout simplement. Et je serai normalement d'attaque jeudi pour les défis de la semaine pour tout simplement la nouvelle saison. Parce que je pense qu'elle sort jeudi la nouvelle saison. Je ne sais pas, je me renseignerai. J'essaierai d'être là pour le premier jour de la nouvelle saison, donc du lancement de la saison 6. Donc voilà, avec mon compte. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 aussi qui m'a prêté son compte pour faire cette vidéo. Donc grosse dédicace à toi poto. Alors à ce que je vois, il y a déjà une personne sur la petite tâche. J'espère que il va pas venir me tuer avec une arme. Bah si, évidemment, il va chercher une arme, évidemment. Ça, c'était obligé. En plus, il a un pompe. Ok, il y a un autre personnage. Donc j'espère que j'aurai le temps de prendre mon étoile. Voilà, elle est sur la petite tâche juste ici. Ouais, vas-y, hein, s'il te plaît. Donc, vous faites une petite danse. Voilà, pour la miniature. Vous prenez le truc, vous vous faites tuer. Voilà, tue-moi, monsieur. Voilà, merci, bien joué. X-Kazaka Killer XPT. Ok, donc maintenant, je fais rond. Je fais obligé, soit vous finissez la partie, soit vous faites top 1, top 2, top 3, vous finissez la partie, soit vous vous faites tuer ou soit vous vous suicidez pour valider l'étoile, parce que si vous ne le faites pas, l'étoile ne sera pas validée. Alors je pense que c'est obligatoirement, il faut avoir le pass de combat de la saison 5 pour pouvoir obtenir cette étoile. Donc ça vous donnera un palier complet. Donc là, Johnny34 est déjà palier max, donc palier 100. Donc il aura 1000 XP supplémentaires à la place d'un palier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les potos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Soarkoolo Mike et je vous dis adios amigos. Peace.